D'abord, je vous remercie pour vos interventions. Moi, j'avais une question qui fait écho à ce que vous disiez sur le quartier populaire et l'inspiration qu'on a dans Thomas Sankara. On est plusieurs acteurs associatifs, on est plusieurs acteurs dans l'associatif. Et est-ce qu'il ne faudrait pas passer le pas et s'engager politiquement? Là, on est à l'aube des élections municipales 2020. On voit déjà certains élus qui viennent dans des quartiers, qui draguent certains acteurs associatifs, certaines personnalités, ou même font leurs propres associations, agissent, bref. Donc voilà, vu qu'on est inspiré par Thomas Sankara, est-ce qu'il ne faudrait pas s'inscrire politiquement pour pouvoir changer les choses et ne pas faire confiance à des personnes qui nous déçoivent, je dis d'un autre côté, nous déçoivent parce qu'on a aussi voulu qu'elles nous déçoivent parce que c'est très bien que jamais elles pourront répondre à nos inspirations. Donc voilà, et si vous connaissez des initiatives qui existent déjà, merci de les dire. Merci. Moi je considère qu'on n'a pas besoin de faire de la politique partisane pour faire de la politique, parce qu'à partir d'un moment où il y a un engagement qui concerne le collectif pour faire du coup, bouger les lignes sur plein de questions qui concernent les quartiers populaires, pour moi c'est ça s'inscrit pleinement dans la politique en fait. Tous nos engagements, toutes nos actions, ce n'est rien d'autre que de la politique. Alors après sur moi j'ai pas d'avis très tranché. Personnellement je sais que j'ai une très grande méfiance à l'égard de la politique partisane, parce que je considère que on peut difficilement, en France, en l'état actuel des choses, faire de la politique sans se corrompre en fait. En tout cas c'est l'impression que j'ai. Et du coup, je considère qu'on peut agir à son niveau sans entrer dans les partis politiques. Par contre, moi j'encourage effectivement les personnes qui veulent avoir une démarche comme celle-ci à s'inscrire sur des listes, voire même à monter leur propre liste citoyenne. Et ça a commencé déjà il y a quelques années. C'est une très bonne chose parce que du coup, ces discours politiques-là sont portés par des gens qui nous ressemblent, qui ne viennent pas de l'extérieur et qui connaissent nos réalités. Et maintenant, je pense que il manque quand même une étape à franchir, parce qu'il faudrait que justement dans l'agenda politique de ces personnes s'inscrivent véritablement toutes les luttes qui sont menées dans les quartiers. Or, actuellement, j'ai l'impression que les programmes qui sont faits par les personnes qui montent des listes citoyennes, etc., ont un petit peu pour objectif de calquer les programmes des partis traditionnels, sans prendre en considération véritablement les réalités et les luttes qui sont les nôtres. Je vais donner un exemple, parce qu'on en parle beaucoup actuellement. La question des violences interquartiers, par exemple. On a beaucoup des nôtres, en fait, des gens des quartiers populaires qui sont entrés dans des mairies, qui sont déjà dans des partis, etc. Mais nulle part, cette question-là, elle s'inscrit de façon acceptable. Acceptable pourquoi? Parce que quand on en parle, et c'est là où on voit que les personnes qui en parlent ne font pas partie de nos réalités, c'est quand on en parle, c'est pour réclamer plus de police, etc. Alors qu'on sait ce que fait la police dans nos quartiers. Donc si on connaît cette réalité-là, on ne peut pas avoir un tel discours. C'est pas possible. C'est complètement déconnecté de la réalité des gens. Même si cette violence, elle existe, qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités collectivement pour essayer d'enrayer tout ça, on peut pas aborder les choses de cette façon-là. Donc l'engagement politique, pour moi, il est nécessaire, mais la question, c'est vraiment comment. Voilà. À la question, est-ce qu'il faut qu'on s'engage en politique, la réponse est oui. Un autre grand homme, je pense qu'il mériterait une fresque, c'est un sociologue qui s'appelle Abdelmalek Sayad, qui est sans doute notre sociologue, qui n'est pas enseigné non plus, qui est tué également. Et Sayad disait, exister, c'est exister politiquement. Autrement dit, tant que les quartiers populaires
n'auront pas réussi à imposer leur représentation politique, eh bien, ils seront en situation défavorable. Et donc, cette étape-là, elle est absolument nécessaire. Partons-nous de rien? Non. Depuis plus de 30 ans, et si nous incluons nos parents, et il faut les inclure depuis plus de 50 ans, eh bien, il y a des initiatives pour qu'il y ait une apparition politique des quartiers populaires et d'immigration en particulier. Donc on ne part pas de rien, les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques. À la question, s'engager en politique, est-ce que c'est présenter des listes et avoir des élus? La réponse est plus mitigée. Je vais répondre, comment c'est les Normands qui répondent oui et non à la fois comme les Normands. Oui et non. Si je regarde un certain nombre d'élus qu'on a aujourd'hui, je me dis non. Parce que je ne crois pas dans les élus, ceux qui font les échos des problèmes que nous vivons, de nos colères, de nos revendications. Beaucoup trop d'élus, pas tous heureusement, hein, pas tous, mais beaucoup trop d'élus, une fois qu'ils sont élus, eh bien, entrent dans le système et deviennent des élus comme les autres et ne se font plus l'écho de nos colères. Et donc il faut se poser la question des conditions pour y aller. Je pense qu'effectivement il y a la question des programmes. Il faut que les programmes reflètent nos luttes, nos revendications. Et la question des violences policières est emblématique là-dessus. Tant que nous n'aurons pas avancé sur cette question-là, on ne pourra pas dire qu'on avance. Parce que là c'est le premier droit, le droit à la vie. Tant qu'on pourra, dans ce pays, tuer des Noirs et des Arabes, sans que ça provoque une paralysie du pays, sans que ça provoque des déclarations multiples partout, on n'aura pas avancé. Ça veut dire que notre vie ne vaut pas la même chose que notre vie. Or, nous ne voyons pas, alors nous en voulons, la masse de nos élus qui sont issus de nos quartiers, se faire le reflet de cela. Et donc ça pose la question des conditions. Je pense moi que tant qu'il n'y aura pas jonction entre toutes les alliances possibles, entre nos revendications et ces alliances, moi je ne m'allie pas, je ne me présente pas sur une liste si la liste ne reprend pas ce que je dis. Et donc, je pense qu'il faut aller dans cette direction, mais en mettant des conditions. Mais ça, on peut le faire, et c'est un message que j'adresse à tout le monde. On peut le faire que si on n'est pas des généraux sans troupes, que si effectivement on a réussi à faire la jonction avec les habitants des quartiers populaires. Or, trop souvent, les gens parlent seuls, et ils oublient que c'est la masse, comme disait Thomas Sankara, qui fait le rapport de force. Et donc j'invite tout le monde, pour ceux qui ne le sont pas encore, à s'engager dans les mouvements de lutte, à s'engager dans les mouvements contre les violences policières, dans les multiples comités justice et vérité par rapport aux assassinats, dans les mouvements contre le racisme d'État, contre l'islamophobie, etc. Parce que ce sont ces mouvements-là qui peuvent porter une apparition politique et non pas une apparition politique qui va créer, qui va créer des mouvements. Et donc remettons les choses sur leur droit chemin. C'est à partir de mouvements de lutte que peut émerger une apparition politique, et non pas une apparition politique qui va permettre l'apparition de mouvements de lutte. Alors, c'est vraiment très intéressant, et encore une fois, je suis vraiment content qu'on est vraiment content que ça peut être autant qu'il y a autant de questions, mais toutes les bonnes choses ayant une fin, on va prendre encore deux questions et puis après on pourra continuer un petit peu, on pourrait poser vos questions aux intervenants dans un cercle un petit peu plus restreint. Donc j'avais vu une jeune femme qui voulait prendre la parole par là et puis encore après une dernière question. Les jeunes en fait africains que
que les Européens et d'autres personnes dans le monde entier, puisqu'il était très avant-gardiste et vous l'avez souligné. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire nous au quotidien justement pour véhiculer son message, pour faire parler de lui et pour faire vivre ses pensées, peut-être tout simplement. Alors, effectivement, ce que je dis, c'est que malheureusement, pour le moment, on ne peut pas compter sur l'éducation nationale pour faire ce travail de transmission des luttes, et de cette lutte en particulier. Alors, ça ne signifie pas que son nom, sa pensée ne doivent pas faire partie des contenus d'enseignement. Moi, je sais qu'à mon niveau, dans mon collège, j'interroge mes collègues et je les incite même à parler de Thomas Sankara parce qu'ils ont une certaine liberté pédagogique. Donc, concrètement, en fait, rien ne leur empêche. Voilà. Mais après, malheureusement, ça dépend toujours des volontés individuelles des enseignants. Et ça, c'est quand même assez déplorable. On parle plus facilement de gens qui ont du sang sur les mains que ce qui est aberrant, des gens qui ont du sang sur les mains que de personnes qui ont lutté pour, enfin, qui ont fait partie du mouvement de libération des peuples. Donc, en tant que parent, moi je dirais qu'il faut parler de nos histoires, vraiment, et quand je dis nos histoires, c'est au sens large, ça commence par les histoires de famille, et très souvent, même quand on commence par les histoires de famille, on en arrive toujours à des histoires qui concernent en réalité, qui amènent vers une question de destin collectif même, parce qu'on se rend compte en parlant avec nos parents qu'eux ont mené plein de luttes avant d'arriver en France. Et en arrivant en France, et c'est vraiment regrettable qu'on l'apprenne un petit peu de manière hasardeuse, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, il faudrait déjà transmettre ces luttes-là, l'histoire de nos familles à nos enfants, parler pour contrebalancer justement toutes ces figures qui sont quand même très ethnocentrées, les figures emblématiques aujourd'hui dans l'éducation nationale, ça va être des Napoléons, etc. Alors que, voilà, donc il faut contrebalancer ces modèles-là. En prenant exemple sur Thomas Sankara, Patrice Lumumba, parler de Toussaint Louverture, par exemple. Ce qui est bien également, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une littérature jeunesse qui émerge et qui permet quand même d'aborder l'histoire de ces personnages-là de façon très accessible pour les enfants. Avec Internet, vraiment, ça se trouve très facilement. Et ensuite, en tant que parent, moi, je dirais que pour faire peser les choses et faire un petit peu bouger les lignes, ne serait-ce qu'à l'échelon local, dans une école ou dans deux, trois sur une ville, il faut, en tant que parent, entrer dans l'école. D'accord ? Entrer dans l'école, parler avec les enseignants pour savoir ce qui est enseigné et comment. Et puis, pour instaurer un petit peu ce rapport de force, il faut entrer dans les conseils d'administration en tant que parents d'élèves, déjà. Parce que des parents d'élèves qui disent, écoutez, sachant que vous avez la possibilité de le faire en tant que parent d'élèves, rien ne l'interdit, alors on ne le sait pas, mais rien n'interdit à des parents d'élèves en conseil d'administration de poser cette question sur la table et de dire voilà, nous on aimerait que la question de telle lutte soit abordée parce que ça colle à la réalité des enfants. Et donc il faut qu'on arrête avec les savoirs complètement déconnectés de la vie des enfants. Et ça, je pense que c'est une discussion et c'est même des choses que l'école a besoin d'entendre. Donc il faut bousculer les enseignants, les directeurs d'école, etc. Et faire sa part en tant que parent parce que malheureusement, moi je sais que je ne blâme pas du tout nos parents, ils ont été pris malheureusement par d'autres exigences que celle-ci, mais il faut faire sa part en parlant, au lieu de parler de personnages
dessins animés ou de légendes, et bien parler de ce type de figure-là. Je pense que c'est essentiel pour la construction identitaire même des enfants de se savoir grands, en fait. Que dans leur histoire, et bien, ils ont été grands, ils n'ont pas été... leur histoire n'a pas commencé avec l'esclavage, parler des empires africains, ce genre de choses. Voilà. Vraiment, je pense que vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui. Alors, on va prendre la dernière question, et pour rebondir un petit peu sur les propos de Mundo, il faut parler de littérature, n'hésitez pas à passer voir nos amis de la librairie en ville hier pour un stand, et qui ont vraiment des choses très intéressantes sur le sujet. Quelqu'un, une dernière question, je crois que oui. Bonjour, merci à... Merci pour cette conférence, merci aussi pour le fait de l'exposer comme à Sankara au sein de ce pays du monde. Parce que tout ce que vous avez dit sur comme à Sankara, on peut en passer des mois et des années sans jamais en finir. Car c'est une œuvre entière comme à Sankara, Mais j'ai une question en s'adressant à vous. Comme à Sankara, on a l'impression qu'il méditait sa mort. C'est comme si, dans ses discours, dans ses derniers discours, il se disait que peut-être en disant ce que j'ai en train de dire, que le mois prochain ou l'année prochaine, on ne trouvera pas là. Donc tellement il dit des choses à son époque qui encore continuent, qu'on vit encore de jour en jour, en jour d'aujourd'hui. Mais il l'a dit peut-être en disant qu'on peut dire non sans jamais dire ses idées. Donc ce sera surtout aujourd'hui, mais encore on en parle. Mais qu'est-ce que ça pourra apporter en s'inspirant de ces mots? Est-ce que seulement en s'inspirant de ces mots, c'est suffisant? N'est-il pas mieux à les mettre en à les actionnant? Et où les associations pourront actionner ce qu'il dit pour que tous puissent vivre dignement et que tous soient libres et égaux en dignité et en droit, comme on dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y a pas de réponse, ce n'est pas tout à fait une question. Il a montré une voie. Effectivement, ceux qui se contentent de lire Thomas Sankara, c'est bien, mais ils n'ont pas très bien compris le message. Le message de Thomas Sankara, c'est le savoir est une arme. Alors, la seule réponse que je nous donnerai à nous tous, c'est armons-nous. Bah écoutez, je vous remercie. Je remercie Marion, Saïd, Stéphanie, Gundo. Je vous remercie aussi. Voilà, ça s'arrête maintenant. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Je vous demanderai juste une petite chose avant de partir, c'est nous aider un tout petit peu en empilant les chaises et en nous aidant à ranger ce qui reste, en emmenant les choses vers le camion là-bas. Et encore merci de votre présence parmi nous. Ça fait chaud. Au revoir. Come on, come on.
Arrête. Ah, tu veux faire Non, c'est à ça qu'il veut ma qualité de, d'appareil parce que moi je regarde. On la mettra sur la paille. Disons-nous les choses. Je suis arrivé sur scène. Comment allez-vous? On va bien. Ça va, tout va bien? On est un peu fatigué, mais on va bien parce qu'on a passé une très belle journée. On est vraiment content d'avoir combattu cette stress. Déjà, bravo à l'artiste parce que Vince, je pense qu'il faut lui tirer un chapeau tout seul. Faire des choses comme ça, c'est quand même. Fantastique. Et puis on est heureux parce que il y avait du monde, les habitants sont venus, les gens des proches sont venus, les gens sont contents de la journée, ils ont trouvé que c'était intéressant, aussi bien les activités qu'on a proposées que le débat. Et voilà, c'est ce genre de choses, ça prend du temps, ça demande un peu de l'énergie. Mais quand c'est des réussites, ça donne de la force. Et si la force, on peut la faire partager, on essaie de reproduire les choses. En parlant de force, à ça part d'une force venant de Ivry-sur-Seine, c'est de cette force dont tu parles. C'est ces hommes-là. Merci les gars. Soutiens qui sont là depuis le début. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là dans le combat. Et tu vois là, ils sont là, toujours là. Donc c'est important qu'on soit là aujourd'hui, le combat de justice et vérité pour Adama. Et la ville d'Ivry m'avait mis aussi ma reine sur le locomotive. Et on finit avec Simon et lui sur Sankara, donc c'est magnifique. Parce que c'est justice et vérité pour Sankara, c'est justice et vérité pour Adama. Sankara n'avait pas peur, Sankara était un homme fort, Sankara était un révolutionnaire. Sankara parlait de la femme, Sankara disait que la révolution passait aussi par la femme avec l'homme. Donc ces discours sont puissants, et encore là aujourd'hui dans tout ça, et on est dans la continuité de son combat, et il apporte beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur, comme beaucoup d'hommes africains. Donc vraiment d'avoir fait cette fresque ici, c'est vraiment les personnes qui vont dans leur quartier peuvent être fiers. En tout cas, moi je sais que j'habite là, et tous les jours en passant je pourrais la regarder, je pourrais dire ça, c'est Thomas Sankara. C'est un Africain, il a lutté pour la liberté d'un peuple, pour la liberté de son peuple, pour la liberté de l'Afrique. Et aujourd'hui, on en est là, et on parle encore de Thomas Sankara comme un grand homme, comme un révolutionnaire. Et on est tous des guerriers, comme Thomas Sankara, face à un système, face à la liberté, la justice et la vérité pour tous. L'homme fort, dis-nous ce que tu penses de ce qui vient d'être dit là. Eh bien, heureux d'avoir participé à cet événement, d'avoir pu rassembler aujourd'hui au cœur d'une cité, d'une grande cité d'Ivry, d'avoir pu partager ce moment avec les gens. C'est aussi leur permettre de d'y croire et de ne pas être dans une fatalité qui ronge un peu nos quartiers. On n'y croit pas. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu faire avec... Assa, ce qu'on a pu faire avec tous les militants qui sont venus d'un peu partout. On est heureux de pouvoir servir d'exemple et pouvoir donner un peu de force à tous les quartiers, leur dire qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est pas normal, on ne banalise pas, on ne s'assoit pas sur ça, on se lève, on se bat. Aujourd'hui, grâce à l'artiste Vince, on a pu rassembler. Combat pour justice et vérité pour Adama, justice et vérité pour tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos quartiers, justice et vérité pour tout ce qu'ont subi nos parents. Voilà, aujourd'hui, force et honneur. Yes. Vince, qui est là et qui avec son artistiquement, ce qu'il apporte au combat, ce qu'il apporte à tous les combats, c'est fort et c'est puissant. Et la preuve, elle est là aujourd'hui. Bravo. Bravo à tous. Yes. Merci encore à lui. Ici, dans le nom du quartier, s'il vous plaît, dites-moi. On est dans la cité Pierre et Marie Curie, à Ivry. Rue Hoche, si les gens veulent venir voir. Rue Hoche. Okay. Je vous remercie. Merci à toi. Dites-nous les choses avec monsieur le président de l'association qui a aujourd'hui organisé cet événement autour de Thomas Sankara. Dis-nous tout,
Présente-toi un petit peu, dis-le tout. Alors, je m'appelle Mérez, je suis président de l'association Conquilia à Ivry-sur-Seine. Donc, c'est une association que j'ai repris il y a 2 ans et demi, qui faisait surtout de l'aide aux devoirs et du soutien scolaire dans notre quartier. Aujourd'hui, j'ai un peu transformé l'association. Donc, on essaie de faire des initiations dans les quartiers d'Ivry et au-delà si c'est possible, par le Graphe. Donc, nous avons fait l'année dernière Mohamed Ali, qui a été le week-end Mohamed Ali sur 3 jours, qui a été un succès avec le portrait de Mohamed Ali et le combat continue. Aujourd'hui, on a fait la fresque de Thomas Sankara pour rendre hommage à Thomas Sankara depuis 31 ans qu'il a été assassiné. Donc c'est pour un petit peu faire rappeler et demander justice, le faire connaître par la nouvelle génération qui ne le connaît pas, pas dire presque pas, mais ouais, entendre juste parler. Qui le connaît très peu. Voilà. Mmh. Donc aujourd'hui, on veut le faire connaître et c'est par ça qu'on essaye, par le Graphe. Donc on a fait une initiation Graphe toute la journée. On a mis le visage de Thomas Sankara sur un pignon de la cité, d'une hauteur de 33 mètres. Je pense que ça n'a pas jamais été fait par rapport à ça. Qui se trouve à ta gauche là. Voilà. Juste là. Donc c'est un hommage. Et cet hommage a été perçu par beaucoup de monde comme un succès. Un succès qui est au-delà de la France, qui est arrivé jusqu'au Burkina Faso. Nous avons des gens qui nous ont appelés de là-bas pour nous remercier. Donc voilà, aujourd'hui, moi ce que je voulais dire, c'est que j'espère que dans tous les quartiers de France, ça se propage. Même pas par le Graphe, mais même par autre chose, par l'écrit, par la musique, par que ce ne soit pas que Thomas Sankara. Il peut y avoir beaucoup de leaders, de révolutionnaires africains qui sont perçus par la jeunesse comme, je vais dire, dans l'oubli. Et aujourd'hui, on veut faire renaître ces personnes qui ont voulu faire une révolution et qui ont été assassinées. Parce que ces gens-là sont vraiment, aujourd'hui dans l'histoire de la France. Aujourd'hui, nous avons Assa Traoré, qui est la marraine de cet événement. Assa Traoré, elle porte un combat, la mort de son frère Adama. Et aujourd'hui, par Sankara, on essaye de faire monter Assa pour qu'elle puisse être entendue et qu'il y ait justice pour son frère. Et la vérité surtout. La vérité, nous, on la connaît. Nous, on veut que tout le monde la connaisse. Voilà, et que la France la reconnaisse surtout. Donc vous prenez vraiment le fait qu'à un moment donné, les gens, enfin, on va dire issus de l'immigration, comme ils disent, arrivent à s'identifier à des héros qui leur ressemblent, quoi. Voilà, tout à fait. C'est en fait, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai parlé de Sankara, je me disais peut-être que on n'est pas beaucoup à le connaître. Mais en fin de compte, j'ai vu qu'il, par les gens qui ont répondu présents ici aujourd'hui, nous étions plus de 350, et ces gens-là connaissaient Sankara et étaient vraiment fiers. Nous avons des gens qui sont venus de l'ambassade du Burkina Faso pour nous remercier. Donc ce n'est pas rien, c'est une personne qui est connue et on veut avoir la vérité et que justice soit faite pour lui, qu'il ne soit pas parti pour rien. Quand il a porté ses combats, aujourd'hui on porte les mêmes combats. Et ça c'était dans les années 80. Aujourd'hui on voit que ces combats-là sont toujours d'actualité. Et lui, il en parlait déjà dans les années 80. Donc, que ce soit l'écologie, la femme, l'alphabétisation, tout ce qu'il a fait. C'est le seul gouvernement qu'on voit où il a obligé son gouvernement à rouler en R5. C'est pas en France qu'on verra ça. Et quand on parle de pays dictateurs, je pense qu'on est plus ici dans une dictature qu'en Afrique. Voilà. Quand je te remercie, et quel message pourrais-tu transmettre quartier de France, ou même à la France, ou au monde entier même? Continuez vos combats, croyez en ce que vous faites, montrez que vous êtes présent, malgré qu'on est français, et que les gens ne nous considèrent pas comme des Français. On a toujours quelqu'un qui va nous faire rappeler qu'on n'est pas français, mais on l'est, et on est chez nous, et on a le droit de s'exprimer. Et suivez la convergence des luttes, et l'émancipation dans les quartiers comme chez nous. C'est ça les points forts et c'est là où on pourra réussir. Tous ensemble. Je te remercie.